au micro de Mohamed Haouchine. On est trop respectueux en première mi-temps, mais surtout, on n'avait pas des joueurs dans le coup. En première mi-temps, en deuxième mi-temps, l'équipe, elle était combative. Elle était, c'est comme ça que je vois l'équipe. Ça a été positif sur la deuxième mi-temps. De toute manière, il n'y avait aucune raison de pas jouer le jeu. Bon, nous, on avait à cœur, on avait perdu le premier match là-bas à Sétif. On a une fierté sur le plan national. On sait qu'il y a trois clubs qui sont assez réputés dans le championnat. Il y a d'autres équipes aussi. Mais disons que nous, on avait la fierté de gagner aujourd'hui contre Sétif. On s'est aperçu que c'était une bonne équipe. C'est pas par hasard qu'ils sont encore nous en championnat. Qu'en est-il du côté de l'entente de Sétif avec, bien sûr, l'entraîneur Nordine Zekri, toujours au micro de Mohamed Haouchine. Je pense que la partie était entre nos mains, surtout qu'on avait ouvert la marque en première période. Malheureusement, bien sûr, la GS Kabylie est revenue au score. On aurait pu plier le match durant cette première partie, mais c'est ça le football. L'entente de Sétif est un grand club donc en Algérie et on espère faire un très bon résultat par la suite. Voilà donc les déclarations des deux entraîneurs à la fin de cette partie. Il faut savoir qu'après ce nul, l'entente de Sétif totalise 55 points, derrière le Moudia d'Alger avec 59 points. Les Sétifiens comptent.